Alors, sérieusement, vous allez vous dire, salut! Vous allez vous dire, mais ça y est, Cécile est revenue, elle est complètement barrée, la pauvre fille. Il va falloir l'enfermer. Bon, alors, je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Du blues du dimanche soir. Eh ouais, on est lundi, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même parce qu'il m'est venu l'idée de vous en parler hier. Donc, j'ai commencé à écrire hier. Du coup, l'article est prêt aujourd'hui avec la vidéo. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Eh ben oui. Alors, ça vous est peut-être arrivé, vous, dans votre vie. Peut-être que vous le subissez inlassablement tous les dimanches. Mais moi, j'avais vraiment un problème avec ça. C'était qu'aux alentours de 16h, 16h30, tous les dimanches soirs, j'avais un blues, mais je vous explique pas, un truc de malade. Des angoisses qui me prenaient au bide et qui me quittaient plus jusqu'au lundi matin. Du coup, bah, ça me foirait tout mon dimanche, parce que forcément, dans mon boulot d'avant, je travaillais tous les samedis. Donc en gros, il ne me restait que le dimanche pour profiter de ma famille. Alors c'est ballot, parce que du coup, à 16h, eh ben, je n'étais plus disponible, puisque j'étais voilà, en proie avec mes démons et mes angoisses dominicales. Et donc je me souviens, moi, ça a commencé à me prendre, mais dès l'enfance. Et dès que je faisais mes devoirs, je me souviens entre Starsky et Hutch et L'amour de risque. Hein, vraiment, ça m'a marqué. Et ben ça y est, j'étais pas bien, j'étais angoissée. Je me disais, ça y est, l'école allait revenir demain et le week-end il est fini, il va falloir encore attendre une semaine avant le week-end. Et je me lamentais, tatati, tatata. Et ça m'a pas passé avec l'âge, c'est-à-dire que j'ai grandi, je suis devenue ado, jeune adulte, adulte et parent, et bam, rebelote et rebelote et rebelote. Et le blues du dimanche soir qui me quittait jamais. Mais c'est dingue cette histoire-là! Et alors, le pire, c'était vraiment, mais dans mon boulot, là, juste avant que j'ai quitté, c'était même devenu un enfer. Le dimanche soir, même le coucher, c'était les pensées négatives qui revenaient et qui montaient. Alors, le coucher, je vous explique même pas, je pouvais pas m'endormir. Et du coup, bah, endors-toi, cherche le sommeil, tu vas être fatiguée. Et ça y est, une nouvelle semaine qui va commencer. Et la merde, quoi. Vraiment, je suis désolée, mais c'était vraiment ça. Et puis à tel point que j'en avais des boules au ventre. Mais c'était mais inexplicable, inexpliqué, c'était irraisonnable et irraisonné. Et on avait beau me dire, mais Cécile, profite. Ben non, je profitais pas parce que j'avais cette boule au ventre de me dire, bah ça y est, le week-end, il est déjà fini. Et puis bah ça va recommencer, recommencer, encore et encore. Et lundi arrive et c'est reparti mon kiki. Et en fait, je m'étais même dit, bah, autant passer du samedi au lundi, comme ça j'aurais pu ce foutu blues du dimanche soir. Puis je me suis dit, mais c'est une vraie malédiction, je vais jamais pouvoir m'en défaire de ce truc. Donc ça veut dire que, bah voilà, j'ai pas de dimanche, j'ai que des dimanches de merde, parce que j'ai ce blues qui arrive. Et en plus, bah, moi je culpabilisais à force, parce que bah, mes enfants, mon conjoint, ils me disaient, bah, t'es pas avec nous, c'est pas cool, pourquoi tu profites pas du peu de moments que t'as avec nous pour en profiter? Eh bah ben non, je le passais avec mes angoisses. Ah, mais que s'est-il passé? Bah, un beau jour, ça vous êtes au courant, j'ai changé de vie. Et le blues du dimanche soir, bah, il est resté avec mon ancienne vie. Comme par miracle, comme par magie. Paf! Bah, t'es où? Pas là! Mais t'es pas là, ben ouais, je lui ai fait la peau au blues du dimanche soir. Terminé, basta. Il n'est plus là. Ce qui fait bah, qu'aujourd'hui, j'adore mes week-ends et j'adore la semaine. Franchement. Et en fait, je me suis fait la réflexion l'autre jour, on rentrait de week-end prolongé, vous savez, les longs week-ends du mois de mai. Moi, j'avais jamais connu jusque-là, puisque je travaillais dans le commerce, donc les longs week-ends, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai découvert le bonheur des longs week-ends en famille. Et on rentre. Dimanche après-midi et rien, et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, c'est génial, j'ai plus d'angoisse, mais non. Mais pourquoi j'ai plus d'angoisse? Parce que maintenant j'adore les lundis. J'adore les lundis, pourquoi? Parce que c'est, ça y est, la porte ouverte à des nouveaux challenges, des nouvelles rencontres, de nouvelles choses que je vais pouvoir construire. Et voilà, avancer vers l'avenir et avancer vers mes rêves, donc c'est que du bonheur. Donc aujourd'hui, je vous le dis, vive les dimanches, vive les dimanches soirs. Et vive le lundi et en fait, vive tous les jours de la semaine. Voilà, j'avais envie de vous en parler, donc c'est cool. Allez, à très vite, ciao!